Bon, alors les amis, bienvenue, bienvenue à tous sur Tabletop Simulator, et notamment sur le jeu Last Bastion, qui est un jeu de plateau, un jeu de société, qui m'avait intrigué au début quand il est sorti. Je ne l'ai pas forcément foncièrement acheté, mais je me suis dit, bah tiens, je vais regarder ce que c'est. Et je viens de regarder là une petite vidéo qui a duré pendant 1 heure de présentation du jeu avec le descriptif du jeu. Et ben écoutez, je me suis dit, ben tiens, je vais le tenter ce jeu. Donc voici comment ça se présente. En fait, nous sommes là, je joue la partie solo à un joueur, donc ça peut jouer de 1 à 4 joueurs. J'ai pris comme héros Razgin, une sorte de barbare. En fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes des guerriers, des mercenaires, etc., peu importe, qui avons volé des artefacts à une sorcière, et la sorcière, évidemment, s'en est aperçue. Et pendant que nous ramenions l'artefact et que nous les donnions au prêtre pour qu'il les détruise, ce sont des objets maudits, la sorcière vengeresse est venue nous assaillir au sein de notre fortin ici, sur le côté. Et donc, on va subir les assauts de pas mal de monstres. Et notre but, c'est de terrasser le Seigneur Noir. Seigneur Noir, donc il y a des cartes Horde, des cartes des Seigneurs de Guerre, le Seigneur de Guerre. Et si on terrasse le Seigneur de Guerre, alors à ce moment-là, nous avons gagné la partie. On perd la partie s'il y a trois jetons Emprise du Mal qui sont sur le plateau. Je vous montre le jeton Emprise du Mal, vous voyez des crânes comme ça. Si on a trois qui sont représentés, qui sont là, on a perdu la partie. Et on perd la partie effectivement aussi si notre personnage meurt. Alors ici, notre personnage il est à plein pot. Mais s'il perd ses trois points de vie qui sont là, les trois jetons là, on retourne la carte. Il est blessé. Et s'il perd de nouveau trois points de vie, là, la partie se termine. Voilà en gros comment ça se passe. J'ai pas pensé à préparer le paquet Horde. Alors on prend le paquet Horde qui est là, on mélange tout comme il faut. Voilà, et à un joueur on en prend 38. Alors j'aurais dû préparer ça à l'avant, j'ai pas pensé. Hop, hop, hop. On en prend 38. Ce sont les. Tout ce qui va nous attaquer va arriver sur les différentes aires. Alors. J'en ai combien? 18. Hop là, ici. Voilà. Alors les 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38. Tout ce paquet-là ne va plus servir durant la partie. Donc, on va remélanger un petit coup. Hop, voilà. On en défausse 8. On va en mettre 8 de côté. Donc ici 4, 5, 6, 7 et 8. Et parmi les 11 seigneurs de guerre, ben, j'en prends un au hasard dedans, qu'on va placer sur les 8 cartes. Et on va placer le reste du paquet dessus. Alors. Ce qui semble bizarre, c'est. Voilà, il n'y en manque qu'une ici, j'allais dire, c'est 8. Voilà. Donc, il va falloir donc. Il va falloir en fait résister à 30 hordes de monstres normaux avant d'arriver au seigneur de guerre. Alors, comment ça fonctionne? Notre héros commence ici au milieu. Alors j'ai placé les 9 tuiles de manière aléatoire en secouant le sac et j'ai sorti les tuiles, sachant que les parties peuvent être totalement différentes d'une partie à l'autre. Donc ici on a notre fiche de personnage héros et ici on a là où apparaissent les monstres. Alors vous avez, il y a des couleurs jaunes, des couleurs rouges, des couleurs vertes et des couleurs bleues. Pourquoi? Parce que certains monstres ont certains types de couleurs et comme vous imaginez bien, si je tire un monstre jaune, il va aller dans le jaune, le vert il va aller là, le rouge ici et le bleu là. Le noir, si je dois prendre si c'est pas l'effet d'une carte, ça va se mettre dans mon plateau, sinon ça va se mettre en face de la carte active. Donc vous le devinez, mon petit personnage qui est là, bah, va falloir qu'il aille aux différentes murailles pour essayer de combattre les monstres. Quelles sont mes actions disponibles? Bah, ce sera soit de me déplacer et de faire l'action de la tuile, ou faire l'action de la tuile et me déplacer,
ou me déplacer et combattre le monstre qui est situé en face de moi ici. D'accord? Voilà. Mais avant cette phase de héros, on va devoir faire la phase de horde. La phase de horde, c'est quoi? C'est que tout simplement, alors ici, ah oui, c'est bleu là. Ah. Alors ça, c'est un plateau qui est un peu pourri, hein, ce truc bleu là, puisque si mes trois emplacements de l'armée bleue sont entièrement occupés lors du début de mon tour, je deviens paralysé, je ne peux plus me déplacer pendant ce tour. Donc ça peut être problématique parce que si je peux plus me déplacer, je peux plus faire d'action. La partie peut très vite se terminer. Bon, quoi qu'il en soit, on verra ce qu'il en a. Chaque héros que l'on possède, donc vous avez plusieurs héros, vous avez 7 héros, vous avez ici, vous avez ces personnages-là, avec des capacités chacun, des capacités différentes. Donc les parties peuvent changer selon ce que vous voulez faire. Voilà, et vous avez tout ça. Donc vous avez 7 héros ici, et puis le 8e qui est là. Ma capacité de spéciale de héros à moi, c'est que pour combattre les monstres, il va falloir lancer des dés. Tous les héros commencent avec 3 dés de base qu'on va tirer tout à l'heure. Mais ma capacité spéciale me permet d'ajouter, grâce à ma force, un dé supplémentaire. Donc je dispose de 4 dés. J'ai mes 3 pions de points de vie et j'ai un jeton appel aux armes qui me permet de faire, en le dépensant, n'importe quelle action de n'importe quelle tuile sans me déplacer. Voilà, donc c'est un petit bonus et c'est assez puissant. Alors si on regarde l'aide de jeu ici, avant la phase de héros que je viens de vous expliquer, nous avons la phase de horde. La phase de horde, ça dit quoi? Bah, simplement que quand le plateau est ne rompt plus, à mon tour, je dois piocher une carte. Ou quand le plateau est rempli, je fais l'effet du plateau. C'est-à-dire, là, en mon sens, c'est-à-dire je suis paralysé. Je ne peux pas bouger. C'est la phase horde en premier, donc qu'est-ce qu'on fait? Bah, on tire une carte. On tire une carte et on la dévoile. Alors vous le voyez, c'est une carte verte qui va donc se placer sur la partie verte. Le nom de la carte est Saint-Puant. Ça, le petit icône là, c'est il n'y en a qu'un. Il peut y avoir 1, 2, 3, 4 icônes. C'est la résistance, c'est-à-dire c'est le nombre de dés quand je vais lancer mes 4 dés, puisque avec mon personnage je peux lancer 4 au lieu de 3. Sur mes 4 dés, je dois obligatoirement faire un jeton vert. Je dois faire une phase verte. Si je fais une phase verte en jetant les dés, le monstre est détruit. Ici, nous avons, quand le monstre il apparaît, donc il va apparaître sur la partie ici, à moi de placer où je veux. Par commodité, je pense que je vais le placer au milieu. Il y a un effet d'entrée. Il y a des cartes où il y aura un effet permanent et un effet de sortie. L'effet d'entrée, c'est cette carte-là. Effet d'arrivée, ajouter une malédiction sur la compétence du joueur actif. Ah. Alors, là, par contre, c'est gênant. Parce que ça veut dire quoi? Je place la carte. Ici. En effet d'entrée, je place un jeton malédiction sur la compétence. Donc ici. Alors, attends. Ici, là. Sur là. C'est-à-dire que là, maintenant, je n'ai plus 4 dés, mais 3. Tant que ce jeton-là, il sera mis ici. Bon, ben, j'ai pas de chance. Personnellement, j'ai pas de chance. Une fois qu'on a fait ça, c'est à mon tour maintenant de jouer. Bon. Sur 3D, moi, j'ai très envie d'enlever ça parce que ça m'handicape fortement d'avoir un dé en moins. Donc mon action première sera, je pense, de faire ça, de bouger ici et de combattre le monstre qui est là. Donc je lance 3 dés. Donc ça va me les lancer automatiquement hein, au niveau du roll. Alors 1. Un dé noir, raté. 2. Raté. 3. C'est un vert. Youpi! Sur les 3 dés que j'ai lancés, vous voyez, j'ai un vert qui est sorti. Du coup, j'ai fait un dé vert contre un rond vert. Le monstre est détruit. Magnifique. J'ai eu mon coup. Comme le monstre est détruit, et eh ben, alors là, par contre, alors vous m'excuserez, hein, c'est ma deuxième partie. Je pense que je dois enlever ça.
Maintenant, j'ai un gros doute. Je pense que l'effet, il est permanent, mais dans le doute, j'ai fait ça comme ça. Alors, peut-être que je fais une erreur, hein. Maintenant, pour moi, je l'enlève. J'ai combattu le monstre qui me l'a mis, donc je l'enlève, il est mort. On a fini mon action. C'est au tour maintenant des actions qui sont là. Là, il n'y en a pas, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de carte remplie. Et on arrive à la phase de mon plateau, il n'y a pas de carte. Donc, qu'est-ce que ça dit quand il n'y a pas de carte? Et bien, on tire une carte monstre qui va apparaître. On retourne ça. Et on arrive sur une carte jaune, le squelette du tambour, qui n'a que 1 en résistance. Sa capacité d'entrée, c'est qu'il va je vais devoir piocher une deuxième carte monstre. Et sa capacité de sortie, c'est-à-dire que je perdrai un de mes jetons ronds. C'est embêtant, jeton rond, j'entends par là. Ah oui, je commence la partie avec un équipement. Je perdrai soit moins un équipement, soit je perdrai un jeton appel aux armes. On verra plus tard à quoi ça sert. Donc là, je vais poser mon armée squelette ici, là, juste en face. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre plutôt là. Voilà. Et sa capacité d'entrée, c'est de tirer une deuxième carte monstre. Donc, on va tirer une deuxième carte. On retourne la carte. Décidément, j'ai pas de chance. C'est une carte jaune, un squelette archer, qui lui a 2 en résistance, beaucoup plus puissant. Enfin, et qui lui, par contre, à chaque tour, va me mettre une malédiction sur la carte. C'est bien ça. Ajouter une emprise du mal ou avancer emprise du mal dans le bastion. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Bon. Bon. Ça m'embête. Ça m'embête. Et enfin, maintenant, c'est ma phase d'action. Alors, ma phase d'action, par contre, je suis loin de cette. De là. Enfin, ça m'embête. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous avez les tuiles qui sont là. J'ai pas parlé des effets des tuiles, effectivement. Je peux déplacer, si j'active ça, je peux déplacer jusqu'à 2 cartes hors d'enjeu simultanément de l'emplacement actuel vers n'importe quel autre emplacement libre. Et il est possible d'échanger la précision, la position de 2 cartes horde. Donc si j'active ça, je peux très bien dire non, celle-ci, elle va là. Et celle-ci, elle va là-bas, par exemple. Si je veux répartir, ça serait pas une mauvaise idée. La carte qui est ici, c'est une carte piège qui n'est pas valide contre les seigneurs de la Horde, mais juste contre les monstres de la Horde ici. Je la pose quelque part, et si un monstre qui apparaît sur la case, il est automatiquement détruit, ce qui est pas mal. L'étendard permet d'enlever la résistance de 1 au monstre de la couleur que je désigne. Ici, ça permet de regagner une vie. Ici, de la fontaine divine, d'enlever 2. Deux crânes noirs. Ici, en lançant 2 dés, je récupère 2 jetons de la couleur des dés. Piège, ça me permet d'ôter une capacité d'un des monstres en le posant dessus, sur une carte. Et là, ça permet en dépensant un cœur de retirer quoi déjà? Ouais. De n'importe quelle carte monstre en jeu. Ok. Bon. Alors, ce qu'on va faire. Là, j'ai mes 4 dés à lancer. Mais je ne peux bouger que d'une case. Il faut que je me rapproche. Hein. Je me dis qu'il faut absolument que je me rapproche, quoi qu'il en soit. Donc, on peut se déplacer horizontalement, verticalement, comme on veut. Hein. Ah là 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 là. Et la carte piège, à la limite, ça serait sympa d'y aller. J'ai bien envie de faire ça. Je me déplace ici. Je prends le filet et je le pose sur cette carte-là pour empêcher
l'activation de cette carte ici. J'ai fini mon tour. On passe maintenant au tour de l'activation des cartes de la Horde. Alors, il n'y a pas d'effet au milieu, donc il ne se passe rien. Il n'y a pas de carte rouge, il n'y a pas de carte verte, il n'y a pas de carte bleue à mon tour. Du coup, moi, je dois piocher une carte. Je pioche une carte, je la retourne. Et on arrive à une carte bleue. Carte bleue, c'est une porte-œuf. En effet de sortie, on lance un dé de corruption. Ce sont les dés noirs, c'est des choses pas très nettes qui peuvent se passer. On va la placer juste en face de moi, comme ça, au moins, je pourrais peut-être la combattre. Et enfin, mon action. Mon action, avec 4 dés, ben, ça sera essayer de la combattre, justement, pour empêcher l'activation de ce dé noir. Donc, ce qu'on va faire... on va lancer 4 dés, du coup. Allez, on y va. 4 dés bleus. C'est parti. Premier dé. Noir. Deuxième dé. Vas-y. Rouge. Troisième dé. C'est un peu long, je trouve. Allez, troisième dé. Hop, rouge. Pas de chance. Et quatrième dé. Allez, donne-moi du bleu. Vert. Donc c'est totalement raté. Mon attaque, elle a totalement échoué. Il fallait que je fasse deux trucs bleus ici pour pouvoir battre ce monstre. Sachant que un jeton équipement remplace la couleur. Là, c'était en bleu, donc ça aurait été parfait. C'est comme si j'avais un dé bleu direct, automatique ici. Bon, j'aurais pu faire un appel aux armes pour faire une action supplémentaire, mais bon. Très bien. Quoique là, ça fait quand elle sort. Hein. On a fini l'action, mon action ici, j'ai raté mon combat. On va donc faire les actions des cartes qui sont là. Là, il n'y en a pas. Rouge, il n'y a toujours pas de carte. Ici, il n'y a rien. Ici, c'est une action en sortie, c'est seulement si je la bats. On va donc tirer une carte. Allez, ici, on retourne ça. Et on a une carte verte ici, c'est une brute orque qui a deux jetons au vert de résistance. Qui lui a un effet permanent, les dés jokers n'ont aucun effet sur cet ennemi. Oui, alors il faut savoir que sur les dés que vous lancez, il y a une face blanche qui est un dé joker que vous pouvez assigner la couleur que vous souhaitez. Et bien, à cause de cet ennemi-là, malheureusement, on ne pourra pas utiliser ces dés jokers contre lui. Et en effet de sortie, si je le bats, ben je gagne un jeton équipement, ce qui peut être pas mal. Alors lui, par contre, on va le mettre là, par exemple. Et on va jouer mon tour. Mon tour, qu'est-ce que je fais maintenant? Battre toujours ça. Aller là et frapper lui. Personnellement, je retenterai le coup de combattre le porte-œuf là pour éviter de. Ouais, je pense que ça serait une bonne chose. On va lancer un dé ici. Donc j'ai 4 dés à lancer. Donc un vert, pas de bol. Un noir, pas de bol. Allez, un troisième dé, s'il te plaît. Un rouge, pas de bol. Et le dernier dé, dis-moi que c'est un bleu, ça serait magnifique. Ça a failli, rouge, raté, c'est pas possible. Bon, tour des ennemis ici, il se passe rien. La carte verte ici, il y a un effet permanent, mais c'est juste pour le combat. Et là, il n'y a rien. Bon, je dois tirer une carte pour la face ici. C'est une carte noire que je dois mettre dans mon... Vu que je l'ai tirée, c'est pas dû à l'effet d'un monstre qui m'a fait tirer une carte noire. C'est moi qui tire la carte. Que je dois placer sur mon plateau de jeu. 3 en résistance. Donc ce sont des dés noirs à faire. Et l'action d'entrée. Alors, on va la placer où? Je suis placé où? Moi, je suis là. On va la placer là.
Ça me dit quoi? Bah que je mets une emprise du mal sur la carte. Voilà. Je mets une emprise du mal sur la carte. Quand ça va s'activer, cette emprise du mal-là va aller sur le plateau au milieu. Et je vous rappelle, s'il y en a trois au milieu, j'ai perdu la partie. Et s'il n'y en a pas, il y en a un autre qui rentre. Et en condition de sortie, je gagne un jeton appel aux armes. Bon, eh ben c'est galère. C'est galère. Et c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Alors ça. Bon. Ça peut être extrêmement gênant. Donc, j'ai envie, même à la limite, tant pis, hein, je vais perdre un point de vie. Parce que se faire 3 dés noirs sur 4 dés, c'est chaud. C'est chaud de chez chaud, quoi. J'ai envie de faire l'action de la tuile qui est là, tant pis. Je tente le coup, hein. Donc je perds. Attends, c'est ça, hein. De perdre un jeton point de vie et d'éliminer n'importe quelle carte monstre en jeu. Dans ce cas, l'éventuel effet de sortie du monstre n'est pas appliqué. Ok, donc je ne vais pas gagner le jeton appel aux armes, mais je détruis ça. Au moins, c'est terminé. Je perds un jeton de vie quand même. Je sais qu'on n'en a pas beaucoup, mais si je veux avoir une chance, je me dis que c'est ce qu'il faut faire. Là, il n'y a pas d'effet relatif au jeu. Ici, il faut que je tire une carte monstre. Et on a de nouveau une carte noire. Décidément, j'ai pas de chance. Vampire nouveau-né. En effet d'entrée, je perds un point de vie. Ah merde! Oh non! Bon, bah je perds un point de vie. Ok. Eh ben c'est mal engagé. Je perds un point de vie. Voilà. Perdu un point de vie. Comme effet, à chaque tour, quand ça va s'activer, ben, ça va mettre une emprise du mal. Et en fin de sortie, je vais regagner mon point de vie si je gagne contre lui. Mon action sera de faire quoi ici? Eh bien, ça sera de combattre. Alors, quand on est au coin, on peut combattre les deux monstres qui sont là. Donc, là, la question se pose, est-ce que je fais un lancer de dés pour les deux monstres ou je fais un lancer de dés par monstre? Il me semble que c'est un lancer de dés pour les deux monstres. Maintenant, j'ai un gros doute, mais on va garder la règle du jeu qui est là. Hop. Alors, mise en place. Excusez-moi, c'est un peu long, tour de jeu. Voilà. Alors, attends. Hop. Alors, plateau neutre, ça, ok. Combattre. Voilà, c'est ici. Le héros peut combattre un ou plusieurs monstres situés sur des emplacements adjacents à la tuile bastion sur laquelle sa figurine héros se trouve. Aucun combat n'est possible à partir de la tuile bastion centrale. Un héros peut combattre uniquement deux monstres qui se situent sur une tuile bastion d'angle. Donc ça, c'est bon. Et c'est aller voir la page 9. Donc on va aller voir la page 9. C'est juste un point de règle que je voudrais bien voir, moi. Voilà, un héros situé sur l'un des quatre tuiles baston d'angle est adjacent à deux emplacements. Il peut donc potentiellement vaincre deux monstres. Le joueur doit obtenir la résistance cumulée de ces deux monstres avec les dés combat et d'éventuels jetons d'équipement dépensés. D'accord, donc on fait qu'un seul dé. Ok. Un cube. Rouge résistance 1, appliqueur sombre, résistance 1. Il est ensuite droit du combat, une face rouge, une face blanche. Ok, j'ai compris. Donc, on va combattre les deux monstres ici, sachant que les dés blancs ne pourront pas s'appliquer à lui, c'est son effet. Allez, on va lancer 4 dés. Alors, le premier dé. Un dé jaune, j'en ai rien à faire. Un deuxième dé. Noir, c'est déjà bien. Donc, un dé noir sur 2 dés. Un dé bleu sur 3 dés, mais j'en ai pas besoin.
Et enfin le dernier dé. Et un dé vert. Alors, un dé noir n'est pas suffisant. Je n'ai pas d'équipement de couleur bleue, de couleur noire pour le battre. Donc je ne peux pas rajouter mon dé noir ça. Donc ça, c'est mort. Je ne l'ai pas eu. Pareil pour ça. J'ai un dé vert. J'en ai pas deux. Il m'en aurait fallu deux des dés comme ça. Et ben, je combats rien du tout là sur le coup. C'est dans les choux. On va passer maintenant à la phase d'activation des plateaux neutres. Ici, il ne se passe rien. Ici, il ne se passe rien, c'est juste en effet de sortie. Par contre, ici, il y a un jeton comme ça qui rentre en jeu et qui, au prochain tour, va se mettre sur le plateau juste en face. Bon, j'ai pas beaucoup de chance. Personnellement, il faut absolument que je retente le coup. Mon action sera donc de combattre. Mon action sera de combattre ça. Ceci dit, c'est pas terminé. Il faut que je tire une carte. On va tirer une carte, on va la retourner pour que ce soit pas du bluff. C'est du rouge. Il a une action, donc c'est un boucher, un démon boucher. Et son effet récurrent, on perd un jeton rond à chaque tour. Si tant est que l'on en ait un. On va en placer, ben peu importe, on va en placer. Il a combien de points de vie? 1, on va le mettre dans un coin ici. Voilà. Et maintenant, c'est mon action principale. Là, j'ai tout intérêt. Ah ouais, là, c'est chaud. J'ai perdu un jeton d'équipement. Mais j'ai pas le choix, j'ai trop de bordel. Ici, il me reste 31 cartes. Ouais, il me reste quand même beaucoup des monstres à tirer. On va combattre ici les deux monstres. Allez, on retente. Alors, un vert. Donc déjà, 1 sur 1, c'est du vert. Deuxième. Deuxième, je dis. Donc, un vert. Un blanc. Un joker. Alors, un vert, un blanc. Un bleu qui ne me sert à rien. Et le dernier, un vert, un blanc. Et un blanc. Donc, on a vu que les monstres, malheureusement, l'effet de cette carte-là, la brute orque, l'effet permanent, les dés jokers n'ont aucun effet sur cet ennemi. Bon, donc je peux pas utiliser mes dés blancs pour battre ce monstre. Par contre, il me manque deux dés noirs, mais j'ai eu deux blancs. Du coup, ce monstre-là, il est battu. Donc j'enlève ça. Et en effet de sortie, puisque je l'ai combattu, l'effet de sortie, c'est que je regagne un point de vie que j'avais toujours là d'ailleurs. Moi j'en avais mis trop, je pense. Voilà, donc là j'ai deux et le monstre là il est zappé, terminé. Au moins c'est une bonne chose. Ensuite, une fois qu'on a fait mon action de combat, on fait la résolution des actions de milieu de position de carte du plateau. Ici ça dit quoi? Que je perds un jeton rond, donc je vais perdre ici un jeton ici. Voilà. Ensuite, il ne se passe rien, on va tirer une carte qu'on va retourner. Et c'est un monstre rouge. Alors lui qui est plutôt puissant, 3 dés de résistance en rouge. Son effet récurrent, c'est qu'on doit lancer le dé de corruption. Donc il se passe des choses pas terribles quand on lance ça. Et je peux gagner un jeton appel aux armes quand je l'active. Bon, bah, écoute, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ensuite, c'est à moi de jouer. Alors, je suis sur la droite ici. Lui, il n'est pas trop gênant en soi. Elle non plus, c'est pas urgent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici d'utile? Alors, soit je peux échanger des cartes entre elles. Le filet, je pourrais le prendre et le mettre ailleurs. Maintenant... Ou enlever deux figurines en prise du mal. Mais j'en ai pas encore sur le plateau des figurines en prise du mal. Ah, le choix est rude. Hein. Le choix est rude.
Le choix est rude. Parce que je peux pas aller au contact là-bas. Ça, c'est clair, je peux pas. Je peux pas aller au contact des jeunes non plus. Je peux aller au contact avec celle-ci, mais ça m'intéresse pas forcément de la battre. C'est pas urgent. Il faut absolument que j'approche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer ici. Attends, oh merde. On va se déplacer ici. On va se déplacer là. Et on va faire une action. Alors, est-ce que je fais bien ou pas? De déplacer. D'utiliser ça. Ah, par contre, la carte, elle s'est foutue, je sais pas où. Hop. On va la déplacer ici. Juste en face de moi. Boum. Lui, il n'y a qu'un en résistance, vous voyez? Donc, ça sera ça. Ça sera ça. Est-ce que je fais mon appel aux armes pour pouvoir faire l'effet d'une tuile? Attends, 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 attends. Je fais autre chose. Je fais autre chose. Je fais autre chose. Attends, attends, attends. Alors, je sais pas si je dois le faire avant ou après l'appel aux armes. Parce que j'ai un plan. J'ai un plan. J'ai un plan. Alors, attendez. Il faut juste que je garde un point de règle. Ici. Ça, c'est fin de partie. Je pense pas qu'ils le disent. On ne fait pas maintenant. Emprise du mal. Plateau neutre. Se déplace. Ah, appel aux armes, voilà. C'est un jeu d'appel aux armes par mesure active d'utilisation n'importe quelle tuile bastion sans avoir à se trouver dessus, ce même si la tuile est sous l'emprise du mal. Est une action spéciale, supplémentaire. Quand un joueur utilise un appel aux armes, il place ce jeton dans la réserve. L'appel aux armes peut être utilisé à n'importe quel moment lors de la phase héros, avant ou après son déplacement, mais pas au cours d'une action. Enfin, le joueur actif peut tout à fait utiliser plusieurs jetons dans un tour, il est quand même possible d'utiliser un jeton d'armes dès le tour où celui-ci est gagné. Avant de combattre, il faut récupérer des jetons, il peut avoir plus de chances de ciel, il active du marché. Ok, avant de faire son action, on peut le faire avant. Mais pas pendant. Ok. Ce que j'ai envie de faire là, c'est d'activer. Vous voyez, j'utilise mon jeton d'arme. C'est là. Je le rends. Voilà. J'utilise le. Ce truc-là, piège. Qui est là, par exemple. Et je déplace. Je fais l'action de la tuile qui est de déplacer deux cartes. Je déplace ça là-dessus. Et vous l'avez compris. Le char de bombe, on détruit la créature venant en jeu. Sur l'emplacement, se trouve le chariot de bombe. Donc cette créature-là, elle est détruite. Tac. Et le chariot de bombe aussi, par l'occasion, je suppose. Ça peut utiliser qu'une seule fois par partie. Je pense. Et je peux éventuellement changer encore un emplacement de carte, mais ça me va très bien comme ça. Donc j'ai fait mon action. On va passer maintenant à l'action de milieu de position des cartes qui sont là. Ici, je dois enlever un jeton rond. Par contre, j'ai bien fait, j'en ai plus du tout des jetons ronds là. J'en avais un de trop d'appel aux armes. J'en avais qu'un à la base. Hein. Je pense qu'il l'a mis automatiquement dessus. Ici, l'action de milieu de position, il n'y a pas. Ici, il n'y a pas. On va donc tirer une carte. Alors, on tombe sur un zombie frondeur qui a un effet récurrent. Enfin, c'est que il va devoir. Alors là, par contre, c'est là où c'est gênant. On va placer un emprise du mal ici. Et si je ne détruis pas l'ennemi, au moins un des trois ennemis dans ce tour-là, il va se passer que quand tout ça s'est rempli, les trois cartes sont remplies. Je vais devoir lancer un dé jaune, un dé noir, pardon, qui va m'handicaper. Donc on a fait cette action-là, on a tiré une carte, pardon, c'est arrivé là. À moi de jouer. Par contre, je ne pourrais pas en ce tour-ci, je pourrais pas ce tour-ci m'occuper de ça. Il va falloir que je m'approche, d'eux. On va le prendre, on va se mettre ici, et on va défausser déjà un jeton comme ça. On va faire l'action de la tuile où je suis. On l'a défaussé. Ensuite, c'est au tour de l'activation des monstres.
Ici, vous voyez, là, je vais devoir lancer un dé noir. Alors, le dé noir, c'est ici. On va le lancer et on va regarder l'effet que ça fait ici. Et là, bah, je perds un point de vie. C'est l'effet qui est là. Donc, je perds un point de vie. De plus, il y a les effets du milieu qui se posent. Donc, j'en remets un. Alors, vous dites pourquoi je l'ai enlevé si c'est pour en remettre. Parce que si je ne l'avais pas fait, ben, ça allait sur le plateau de jeu. Ici, il y a un effet, on enlève un des marqueurs ronds, j'en ai plus. Et ici, il ne se passe rien, c'est à mon tour de jouer, je pioche une carte. On pioche une carte, on retourne. Et on tombe de nouveau sur un cavalier de la tourmente. Alors, quand il n'y a plus de place, quand il n'y a plus de place, on peut placer où on veut. Notamment ici, l'effet, ça serait qu'il y a un jeton en prise du mal qui va arriver à son tour. Ça le fait pas tout de suite, mais quand ça va s'activer, ben, il y aura un jeton effet du mal. Moi, je suis situé ici, il y a des monstres là-bas, on va s'occuper. On va le placer. On va le placer ici plutôt. Voilà, on va le placer là. On a tiré la carte, c'est donc à moi de jouer. On va se placer ici. Et on va essayer de combattre le monstre là et le monstre là. Donc il faudrait que je fasse deux jaunes et un rouge. Donc c'est parti pour le lancement de dés. C'est parti. Alors un blanc, ça tombe bien. On fait le deuxième. Un vert, un blanc, un vert. Deux blancs, un vert, magnifique. J'adore. Deux blancs, un vert. Et un bleu. Alors, ça sert pas à grand-chose. Alors, soit je décide d'enlever celui-là avec un blanc. Par contre, là. Ah, je l'ai pas vu ça. Ah oui, je viens de le mettre. Ouais. J'aurais dû l'activer ça. Normalement, là. J'ai une erreur de ma part. J'aurais dû mettre ici un jeton mal ici. Mais de toute façon, là, je combats. Avec mes deux blancs, ça remplace les deux jaunes et je bats cet ennemi qui est là. Donc du coup, cet ennemi-là, il est zappé. Par contre, j'ai pas assez pour battre le rouge ici. J'ai pas fait de rouge. Dommage. Mon action est terminée. On passe aux actions ici, le groupe. Ici, tout simplement, ben là, ça va ici sur le plateau de jeu. J'en ai un, il faut pas en avoir trois. Les actions de milieu de position, il y en a un ici, je perds un jeton rond, mais j'en ai plus. Ici, il n'y a plus rien. Voilà. Là, par contre, c'est toujours rempli. J'ai pas réussi à battre les monstres. On va retirer un dé, je pense qu'un c'est comme ça. Je pense pas qu'on le tire qu'une fois. Et je pioche un nouveau monstre. Alors, je dois piocher un nouveau monstre. On retourne. Et c'est un jaune encore, décidément j'ai pas de chance. En plus 4 de résistance. Et on va le placer, le jaune, bon, on va le placer ici, au milieu, là. Alors attends, hop. Ici. Et enfin, c'est mon action à moi qui est, ben, comme mon plateau n'est pas rempli, ben, de piocher une carte. Noir. Donc ça va sur mon plateau de jeu. Et l'effet et cette épée permanent, pardon, tous les héros ne peuvent plus utiliser leur jeton équipement. Fureur redoutable. C'est-à-dire que même si j'avais des jetons équipement, eh ben je ne pourrais pas battre. Je ne pourrais pas les utiliser. Bon là, ça pue. Hein. Ça pue parce que je suis loin, il y a des monstres partout. Là, il faut absolument que j'enlève une carte jaune ici. Il faudrait que je fasse attention que ça se remplisse pas, parce que je rappelle que quand ça s'est rempli, ben je ne peux plus bouger. Et là, la paralysie, c'est horrible. Parce qu'au final, ben je suis mort. Alors, quelle sera mon action maintenant? Soit ici, il y a un dispensaire. Je peux prendre un jeton équipement. Je peux intervertir deux cartes, mais là ça se remplit. Hein. Ou je peux retirer deux jetons KO.
deux jetons emprise du mal. Il y en a un déjà là, je pourrais l'enlever celui-là. C'est ces trois actions-là, ou combattre tout de suite ça et ça. Mais ça, bonne chance, hein, pour avoir 4 dés jaunes, il faut que je fasse 4 jaunes d'affilée, ça m'étonnerait beaucoup. C'est chaud. C'est chaud. Intervertir deux cartes. Enlever celle-ci et la placer là, par exemple. Oh là 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 là, je peux rien faire. Ou combattre, mais oh là là, mon Dieu, c'est triste. Oh merde. Écoute, on va aller au milieu. Ah. Un petit souci avec le plateau de jeu, vous voyez, il le met en l'air comme s'il y avait un plateau au-dessus, ce qui n'est pas normal. Alors, on va aller prendre le jeton là. Un petit bug au niveau du ce tabletop. On va enlever deux jetons, donc on va enlever celui-là. Et j'en ai qu'un à enlever sur les deux, malheureusement, mais bon, c'est pas le choix. Mon action est terminée, on fait l'action qui est là, qui est de placer un jeton. Ici, là. Ici, il y a toujours le filet qui est là, ça bloque, heureusement. Ici, action du milieu, ben, on perd un jeton rond, j'en ai pas. Par contre, là, c'est embêtant. On récupère un deuxième là, qu'on va placer ici. Ici, l'action du milieu, ben, c'est quoi, fureur redoutable? C'est que je peux pas gagner quoi que ce soit. Et on revient à moi. On lance le dé noir, je suppose, hein, puisque l'action là, c'est vrai que c'est toujours rempli. Ça me semblerait logique à chaque fois que c'est rempli. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Perdez un point de santé. Alors j'ai perdu mon point de santé. Qu'est-ce qui se passe? Ben justement, j'en sais rien. C'est la première fois que je le vois. On va retourner la carte. Voilà. Et je n'ai plus du tout de. Je perds mon effet spécial qui était ici. Si on regarde la carte là, il y a l'effet spécial qui me rajoutait un dé. Je suis blessé. Du coup, ben, je récupère 3 points de vie. À la base, on en a 6 au total. Si on veut bien voir. Par contre, là, je lancerai que 3 dés au lieu de 4. Bonf! Bon, 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 bon. Allez, tour suivant. C'est arrivé à moi, donc je dois tirer une carte. Et c'est une carte noire, et comme je l'ai tirée, et ben je le mets sur ma carte ici. C'est quoi l'effet? Tout simplement, ben que ça, je dois piocher une carte monstre. On la retourne. Celle-ci est là. C'est un vert qu'on va placer ici. Oh là 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 là, quelle horreur! Tout se remplit. Et l'effet permanent, explorateur, tous les héros perdent un dé d'attaque tant que cet ennemi est en jeu. Génial! Donc au lieu de 3 dés, maintenant j'ai plus que 2 dés. Bon, bon, bon. Mon action, fin. Mon action, fin. Mon action, c'est quoi mon action? Sachant qu'au tour prochain, ben, je vais devoir activer ça. Et je serai paralysé, je ne pourrai plus bouger. Hein. Donc il faut bien faire attention où est-ce qu'on se met là. Ah, c'est chelou. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Oh, j'aurais dû mettre un monstre là sur le côté, ici. Parce que là, il va y avoir deux comme ça qui vont pas de ce plateau, et un troisième, et je suis mort. Et ça, c'est à chaque tour. Hein. Ça, c'est à chaque tour. Oh là là là. Et après, je serai paralysé. Et après, je peux plus bouger, quoi qu'il arrive.
Faut absolument que je combatte, que je libère la place ici. On va aller ici, là, et on va faire l'action combattre ici. Sur, j'ai plus que 2 dés maintenant. Faut que je fasse absolument un des noirs là, ou un des jaunes pour battre ça. Sur 2 dés. Allez, on tente le coup. Je le sens pas. Un dé noir, génial. Un deuxième dé. Un dé jaune, allez. Non, un dé bleu. Donc, je bats ça. En effet de sortie, je gagne un jeton équipement. Parfait. Hop, de n'importe quelle couleur. Donc, je gagne un jeton équipement. Qu'est-ce que j'aurais besoin de gagner comme jeton équipement? Est-ce que je prends un bleu? Est-ce que je prends un noir? Est-ce que je prends un jaune? Quel jeton équipement je prends enfin? Est-ce que je prends du vert? J'aurais besoin d'un vert hein, pour battre le. On va prendre un vert comme ça, peu importe. Allez. En achetant un équipement vert. J'ai fini mon action. On a donc l'action des cartes ennemies qui sont là. Ça arrive ici. Donc malheureusement, ça arrive là. Qu'est-ce qui se passe aussi là-dessus? Ben, on tire le dé noir. Et je pioche un nouveau monstre. Alors, on va piocher un nouveau monstre du coup. Oh là 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 là. Un rouge, ça va. Une succube, son effet d'entrée, c'est que je dois lancer le dé noir. Et merde. On va le mettre là. Et je dois lancer le dé noir. De nouveau. Comme si ça suffisait pas. Allez, une phase vide. Et je perds un point de vie. Hop. Je perds un point de vie. Ça, c'était l'effet de cette carte ici. Ensuite, on a l'effet de middle position de ça. Je perds un jeton rond. Ah, j'ai oublié celui-là. Du coup, je perds mon jeton. Ah, shit, j'avais zappé ça. J'avais zappé. Ensuite, l'effet du milieu de ça, bah ça arrive ici. Voilà. L'effet de ça, bah, c'est qu'il y a un jeton noir qui arrive là. Bon, bah, c'est foutu, hein. Qui arrive là. Et ensuite, on arrive à moi. Enfin, on arrive à moi. Ben moi, je dois tirer une carte. Et on retourne ça. Et c'est un bleu. Alors, le bleu. Au tour prochain, il va falloir que je mette une emprise du mal. Alors là, je suis mal barré parce que j'ai déjà deux jetons noirs ici, d'emprise du mal dessus. Si on a un troisième qui arrive, je suis foutu. Donc, perso, c'est foutu. Hein. La partie est terminée là, pour moi. Puisque là, de toute façon, soit faut que j'en enlève un ici ou là. Ah si, attendez. Ma seule option, je pense. Parce que ça va s'activer. Je suis trop loin de ça. Ma seule option, c'est de bouger là. De mettre là et d'activer cet effet-là. Cet effet-là me fait quoi? Enlève deux jetons. Comme ça. D'accord? Ça me les enlève. Donc j'en ai plus. Voilà. Une fois qu'on a fait cet effet-là, on passe à la résolution du plateau Horde. Le plateau Horde, qu'est-ce qu'il me dit? Ben, remettre. C'est un jeu de survie. Le tout, c'est de survivre aux attaques incessantes de monstres jusqu'à arriver jusqu'au Seigneur Noir ici. Là, il se passe rien. Là, il se passe rien. Là, je lance un dé. Allez, une face blanche. Oh, c'est quoi ça? Perdez un jeton, enfin, un point de vie et un jeton rond. J'en ai plus, je perds un point de vie. Il ne me reste plus qu'un seul point de vie. Autant dire que je suis foutu. Ensuite, on arrive à la partie middle position. Là, il n'y a rien. Là, je perds un jeton. Là, je mets un autre emprise du mal dessus. Celui-ci, il va se mettre là. Et là, il se passe rien. Et là, par contre, il y a mon effet qui s'active ici de middle position. C'est-à-dire que là, d'abord, il y a ça qui se met en route.
Voilà. Et enfin, il y a ça qui se met en route ici, c'est-à-dire que là, je suis paralysé. Si tous les emplacements de l'armée bleue sont entièrement occupés lors du début de votre tour, vous devenez paralysé. Vous ne pouvez pas vous déplacer pendant ce tour. Donc ici, je ne peux pas me déplacer. Donc c'est à moi de jouer. Je dois donc je fais cet effet. Je ne peux pas me déplacer. Et ben, on va faire l'effet qui est là, la fontaine divine. C'est la seule chose qui me reste à faire. Elles peuvent être tirées d'une tuile bastion, d'une carte horde. Ok. Et ben, on va retirer celle-ci. Et on va retirer, je sais pas moi, celle-ci. Voilà. Mon tour est terminé. On va passer à la résolution de cette action-là. Ça vient ici. Là, il y a toujours. Alors, je ne sais pas si je fais bien à chaque fois de lancer les dés ou. Peut-être que je rends le jeu encore plus difficile qu'il ne l'est déjà. Hein. Mais bon. Voilà. Et là, je perds un point de vie. Ce qui fait que j'ai perdu la partie. De blessé, bah je finis mort et je n'arrive pas à combattre le. Alors, il restait combien de monstres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il m'en restait encore 13 à découvrir avant de tomber sur le Seigneur Noir, l'archidémon de l'affliction, enfin, qui était comme effet récurrent de lancer le dé de corruption, donc le dé noir à chaque tour. Il avait 1, 2, 3, 4, 5 dés rouges à faire. Son premier effet de sortie, on gagne un point de vie et un jeton appel aux armes. Et un deuxième effet de sortie, on lance un dé de corruption. Bon. C'est-à-dire que même quand on le sort, on regagne un point de vie, mais on peut tomber sur une saloperie qui nous tombe sur le coin de la figure. Voilà, donc c'était The Bastion sur Tabletop Simulator. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo, la petite présentation de ce jeu de société. Alors, je ne suis pas un spécialiste hein, dans ce jeu, je vous dis, c'est ma deuxième partie. Il est probable que j'ai dû faire peut-être quelques erreurs importantes, hein, si ça tombe, notamment sur le fait de l'activation. J'ai un gros doute sur l'activation à chaque fois du plateau. Fin, quand tout est rempli, maintenant je voudrais juste voir si c'est ça ou pas, mais j'ai un petit doute. Au pire des cas, j'en ferai sûrement une partie plus tard et j'adapterai en fonction. Enfin, s'il y a des gens qui me disent que voilà, j'ai mal fait ça, ne pas hésiter à le dire. Et j'en ferai une vidéo de toute façon avec les règles modifiées et plus correctes si d'aventure je me suis trompé. Héros blessé, héros mort, inventaire réserve. J'ai pas le petit lexique avec, vous savez, avec la boîte de jeu, et il y a la règle du jeu et un petit glossaire qui vous détaille les différentes choses. Alors. Ok, le score. Alors, je peux calculer mon score. Afin d'évaluer votre performance et de vous aider à progresser, vous trouverez dans la boîte une feuille de score pour garder cette trace de votre partie. Pour calculer votre score, utilisez les valeurs ci-dessous. 5 points pour la victoire en mode novice. Moi, je suis en mode normal. 10 points pour la victoire en mode normal. 1 point par jeton point de vie en votre possession, 0. 2 points par jeton appel aux armes en votre possession, 0. 3 points par, moins 3 points par euro mort, donc là, j'ai 7. Et moins 4 points par tuile bastion sous l'emprise du mal. Donc 7 moins 4. Je finis la partie avec 3 points. Ça, c'est mon score. Voilà. Et le but, c'est d'essayer, même si on perd, bah, de battre ce score de 3, en fait. D'accord? Juste quand même faire un petit survol de ça. Ah, voilà. Tous les emplacements du plateau sont déjà occupés par des cartes. Pas besoin, je reste sur le. Attends, j'ai pas vu ça. Ah, donc la vidéo du mec, elle était fausse alors. Si les trois emplacements du plateau Horde concernés sont déjà pris, le joueur actif choisit un autre emplacement libre de son choix. Ah, d'accord. Si tous les emplacements du plateau Horde sont déjà occupés par des cartes et qu'un joueur doit mettre une carte en jeu, n'est pas mise en jeu, il reste de côté. Ok. Ok. Plateau neutre.
Ok, bon, ça dit pas ce qu'on doit faire, mais je pense que ça s'applique à chaque fois, hein. Effet récurrent activé. Action du plateau Horde. Si trois personnes s'occupent des cartes, le joueur applique l'effet du plateau 1. Sinon, le joueur prend la première carte de la carte. Ouais. Non, bah pour moi, je pense que j'ai bien fait. Voilà. Bon, en tout cas, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo de présentation de ce jeu The Bastion. On fera sûrement une autre partie un peu plus tard avec peut-être un autre personnage ou une autre tuile ici. Le placement des 9 tuiles sera complètement différent aussi. Il y aura, les monstres ne seront pas les mêmes non plus. Le seigneur, le monstre à abattre ne sera pas forcément le même non plus. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse sur un flip de la table qu'on va regarder ensemble. Hop, la table, péter la table. Et moi, je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao, bye bye.